Voilà, jodi nous bien content, nous pour aller encore une fois interviewer yon Grenadier. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour nous gagner ensemble avec nous jodi en interview Leverton Pierre. Leverton Pierre, c'est un footballeur haïtien qui grandit en Haïti mais qui connaît a évolué en France en deuxième division. Nous allons essayer de regarder ensemble avec lui, carrière dans le football ça, et également rêver l'aspiration par rapport à la sélection nationale que le commencer à fréquenter au niveau senior. Leverton est ensemble avec nous, son plaisir, comment est-il? Bon, salut tout le monde qui a regardé sur l'émission 1, Ah. qui est très content pour moi avec nous. Moi, très bien. Et grâce à Dieu, moi là, notre travail. C'est ça lié. Et son plaisir pour nous gagner en Leverton. Et d'abord, on va commencer comme ça. Et racontez-nous qui Jean où t'es commencé et jouer football depuis tes débuts en Haïti. Bah, pour me bien dire, pour commencer le football depuis Haïti. Moi, j'ai commencé dans et sorti par l'école de football Kounia Kevin Olympique, école de football, avec Patrice Millet et Jean-Marc Léger. Après, moi, j'ai vu aller dans mon club de football, mon club de 3e division, qui était les FC JT de Tabac. Et moi, j'ai commencé à jouer avec eux. Mais après, l'équipe de Scoufflé à Saint-Louis, je suis venu dans Saint-Louis, club sportif Saint-Louis. Après, je suis venu dans le stage en France. Et à la Bastia, signé à la Bastia, et ça a commencé comme ça. Alors, avant Bastia, avant la France, t'es quand même gagné ou t'es obligé de convaincre parents parce que parents pas de bleu jouer football. C'est ça l'histoire. Ouais, c'est ça, parce que ouais, on connaît Haïti déjà, on parle de football, et à l'école, et après, moi, je viens et parler avec eux tout samedi, il faut que je quitte me jouer parce que je vais pas de les jouer. Mais c'est mon cousin qui était à force et tout ça pour me jouer avec grand frère qui est toujours là, qui toujours dit qu'il faut quitter me jouer, il faut quitter me jouer. Parce qu'il était toujours un talent qui probablement même pas coup pas quelqu'un qui était qu'à gâcher, mais à tout ça, je n'ai quand même pas de les coach qui vient là, quand même, pas la maman, tout ça pour quitter me jouer, mais on va jamais d'accord. Mais jusqu'où il a accepté qu'il connaît. Et ça me supposait faire, mais obligé de jouer au football. Parce que moi-même, je vais être grandi là-dedans. Parce que on a plus de qui fait jouer au football, tout, qui est un bon qui était tout, qu'on sortit, sauvé avec mon âge de football, l'autre côté. Et puis bon, finalement, ils ont accepté. Maintenant, qui ont joué un contrat pour aller en France? Il y a qui l'âge ou quitter Haïti pour aller en France et dans Bastia? Bon, là, je me dégaine 17 ans, dans le 18 ans. Parce que moi, je me dégaine 18 ans pour me signer. Les mouvements, je me dégaine parce que moi, je me dégaine 18 ans. Et j'ai un contrat, c'est juste les Malins Saint-Louis. Je vais commencer à jouer avec Saint-Louis. On y a là, déjà au terrain, mais j'aimerais jouer tout ça. On se dit, après, mon stage pour voir si j'aime y aller, qu'on s'en garde, bah, l'autre performance de l'autre côté. Très bien. Et ou pas arrêté pendant longtemps, Bastia, ou t'es venu. En fait, c'est dans Ajaccio qu'on vient signer un premier contrat pro. Ouais, Bastia, ça qui m'a traité Bastia, c'est parce qu'il était venu mon problème Bastia. L'équipe là, tu descends de ça, mais après, moi, je suis allé à Ajaccio, je viens faire une saison avec National 3. Et après, je suis venu signer un premier contrat professionnel, moi. Ok, maintenant, gain aventure Dunkerque là, on a rentré la dernière, et particulièrement sous saison ça là. Avec Dunkerque, c'est de justesse nous racheter et place nous pour le maintien. Pour le maintien en Ligue 2, et finalement nous rester. Et comment ou même ou évaluer saison ça? Est-ce que par exemple nous a dit que nous satisfait par rapport au objectif que nous avons fixé au début? Bah, pour me bien dire, c'est la première saison d'Inquiète en Ligue 2 depuis, ça fait 42 ans. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de jamais monté. C'est la première saison, mais coach, président, tout est parlé, il t'a dit, maintenant, c'est lié au besoin, tant qu'on ne va pas chercher rien pour le moment. Bah, pour me dire, équipe la satisfait, président satisfait, tout ça, parce que l'équipe a toujours été en Ligue 2, on ne va pas descendre. Toujours, même si c'était des justesses à coup, nous étions dans la Ligue vraiment parce que nous n'étions qu'à descendre, comme ça, nous n'étions qu'à jouer barragiste, tout ça, nous avons joué barrage, mais nous avons fait preuve que nous étions en Ligue 2 et
à travailler pour l'autre saison pour améliorer ça. Pour... Si pour nous rester dans Ligue 2, il faut que nous mettions arrêté dans la 2-3 matchs pour nous connaître sûrement que nous venons après dans Ligue 2. Yeah, c'est ça. Bon, maintenant, ou même individuellement, ou fait quand même une bonne saison, moi, t'as qu'à dire, parce qu'au jouant pile, c'est peut-être première fois, si me pas trompé, moi, a dit, mais, si me trompé, moi, a dit, mais c'est première fois jouer autant en première division. Moi, quoi, statistique, ou ben, 29 matchs, dont 13 comme titulaire et 16 comme réserviste, ou satisfait individuellement? Bah, pour cette première saison, moi, t'as dit, moi, m'a trop satisfait, mais après cette première saison, moi, dit, ça, c'est une sorte d'aventure, moi, commencer là, mais la saison prochaine, m'a fait plus de matchs titulaires. Parce Et que ou 13 pas trop matchs, c'est pas satisfait parce assez. que t'es qu'a fait plus, et c'est ça Ouais. t'es qu'a fait plus. Ouais, parce que 13 matchs, c'est pas assez. Pendant toute saison, on jouait demi-défensif ou bien parfois coach a alterné opposition et offensif, etc. Ouais, parfois, m'alterner parce que des fois, je jouais 8, je jouais 8, des fois, on match, je jouais sous côté. Mais plus souvent, c'est en 6. Et en mars 2021, vous avez certainement rappelé de ça, et contre l'équipe Niortais, hein, au fond goal, qui c'était vraiment un très bel goal, et c'est, moi, quoi, c'est grand goal qu'on fait pendant la saison, mais c'était vraiment spectaculaire, et crochet pied droit, bicycle pied gauche, et racontez-nous histoire goal, ça, me supposer où songez les. Ouais, moi, ça, on va pas oublier. Premier goal en professionnel, c'est. Ça a marqué pour toute vie, ça c'est le premier goal que j'ai toujours changé. Mais c'est goal ça, moi, depuis avant le match, mon ami, dans le stade là, je dis on fait belle manche goal. Et après, vraiment vrai, ballon venu, contrôle pied droit, frappe pied gauche. Ah, moi, j'étais content aussi parce que c'était une fête 9 mars et je me fais goal là le 11 mars. Et moi, j'étais préparé pour me fêter ce goal là. Donc c'est comme si c'était ton cadeau. Ouais, Vous m'avez tout. c'est Alors, évidemment, faire goal, c'est peut-être pas premier objectif ou sachant qu'on va jouer demi-défensif. ouais. Mais l'autre jour, moi, j'ai parlé par exemple à Jean-Jacques Pierre et en interview justement sous même Chanel ça. Et monsieur Tabdim, que vous avez un profil différent et que ou même c'est un ancien attaquant qui vient demi-défensif. Ça qui explique le changement ça. Non, mais depuis Haïti, tant qu'on est toujours comme jeu, milieu offensif, défensif. Mais après, je suis venu en France et dans l'équipe Bastia, comme des grands coachs qui étaient les Mikadama. Du coup, je suis venu jouer attaquant à l'entraînement. Je suis venu jouer attaquant à l'entraînement. Moi, fait appel des balles bien, moi, garde des ballons bien, moi, toujours fait balle très bien, toujours fait goal. Du coup, il dit moi ça, je joue attaquant tout, la VC, mais je suis venu attaquant. Après, je viens de faire une saison là. Après, je viens de quitter Ajaccio, et Bastia à l'Ajaccio. Je fais une saison attaquant. Je fais 16 goals en 18 matchs. Et après, j'ai tout voulu quitter mon attaquant. Et puis bon, et progressivement, on vient à muter vers en demi-défensif, vers poste demi-défensif là. Oui. Mais après, je vous dis, je vais être attaquant, mais plus je vais jouer milieu de terrain. Qui a son préféré? Qui a son préféré jouer? Moi, milieu de terrain, défensif, offensif, moi, les deux. Hein, parce que tous les deux jouent au même genre. Ou pas vraiment des préférences. Non. Maintenant, on connaît que l'exigence football professionnel là, il est très élevé. Et pour un monde qui sorti en Haïti et qui a joué qu'on y a là en France et en deuxième division, c'est quand même un gros bagage. Et l'autre arrivé particulièrement, c'était difficile. Où t'es allé pourquoi et comment t'es vivre, t'as qu'à dire isolement ça ou bien déracinement ça dans les premiers temps? Ben, pour me caser, c'était vraiment difficile. Parce que pour quitter en Haïti, tout le monde, Haïti, frère ou sœur, qui est au loin, j'attends pour qu'après machine à loi, retourner. C'était vraiment difficile, mais moi, de mettre la tête, parce que je ne vais pas mettre mon problème, parce que je connais me sortir. Pour mauvais bagage, me sortir, c'est pour bon bagage. Et je me suis préparé, tant qu'on me dit, saison, faut moi signer, faut moi être joué en France, parce que. Et tout rêve moi, c'était jouer en France, jouer à l'étranger. C'est pas tant quoi aller pour retourner en Haïti. Est-ce que le Verton Pierre gagne des perspectives, par exemple, pour le quitter Dunkerque? Est-ce que, par exemple, saison prochaine, il y a prévu à Dunkerque ou bien c'est possible en l'autre côté? Bah, pour l'instant,
Je ne sais même pas. Ma carte, je suis m'a prêté ou pas. Mais c'est Islam Abtan Manager. Et Ok. après, on dit comment tout va passer. Ok. Il y a des demandes pour le Everton dans l'autre club? Non, pour l'instant, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Parce que Très depuis la saison finie, on va dire ça. bien, très bien. Bon, maintenant, moi, ouais, qu'on pratiquement pas prendre vacances là, parce que et pour une saison qui était aussi longue, vous faites quand même 29 matchs, même si tout pas titulaire, mais vous jouez en pile. Et moi, ouais, que vous êtes d'abord rentré à Haïti, après ça, où tout commence, préparation avec sélection nationale là, ça pas trop dérangé ou? Non, ça va déranger parce que et moi fait moi t'es entré à Haïti c'est juste pour me devenir dans la sélection parce que pas comme d'hab Ok, pas comme on d'hab perd venir du d'hab pour signal. Haïti pour Oh. attends ah désolé. Ouais, moi Yes. t'as dit comme ça, moi t'es en Haïti, c'est à cause de devenir vraiment mime avant. Ok. Et je me devenir vraiment mime. Et après, je me devenir en sélection. Et ça qui me tout venir et après tout aller en sélection. Ok, maintenant, Haïti, sélection nationale, ou pas tout à fait étranger à ça, même si c'est pas la première fois pour jouer pour gros équipe là, mais on fait quand même sélection U20, et c'était quand même une belle génération, par exemple, c'était Roberto Baggio-Luima, et si je me bats trop, on était dans la génération ça, et on était bien d'autres joueurs, en tant que Ronaldo Damus, c'est des nègres ou plus ou moins qu'on est, est-ce qu'on kembe contact avec joueurs ça, bon, Baggio-Luima ou rejoigne là, comment ça est? Oui, moi, je toujours pas la négio, je toujours pas la damus des fois. Mais Roberto, je ne toujours pas la velle parce que négio, depuis que je fait venir avec eux, je suis toujours prêt à cause, c'est nous, c'est haïtien, c'est frénoyer, nous allons dans la lune, pas nous lâcher l'autre. Même si l'autre est à l'étranger, tant que même si et Roberto Lien l'a joué dans Violette et Damis a joué aux États-Unis, tant que t'es toujours connu, c'est freiné, tant qu'on ne doit lâcher l'autre. Faut en Très encourager. bien. Comment vous découvrez l'ambiance sélection nationale là, pour ta première semaine de préparation avec l'équipe senior? Est-ce que vous rapidement rentrez dans le pot ou comment ça va? Oui, ben, depuis le MVA, qui m'était toujours bien accueilli, moi, tout le monde était à l'aise, tant qu'on pour bien dire. Moi, je même pensais que c'était la première sélection. Parce que les gens qui ont accueilli tout ça, donc on va bien qu'un tout le monde bien accueilli. Ouais, bon, c'est déjà un bon bagage. Ashkanov, comment est-ce? Enfin. Ashkanov qui à peine rejoint également délégation hein, et que Napsa lui et tout, qui pourra peut-être faire deuxième sélection nationale. Par contre, il a bien préparé pour Turken Kekos. Mais Leverton, maintenant, on nous garde Jean-Jacques Pierre. Jean-Jacques Pierre, avec lui, comment relation est-ce que c'était difficile pour le convaincre ou bien qui les premiers contacts avec Jean-Jacques? Non, pour moi-même, Jean-Jacques, depuis les premières fois, il parlait avec moi, il expliquait tout ça, que je comprends que j'ai une bonne relation avec Jean-Jacques. Il toujours parlé avec moi. Ça veut dire que c'est moi qui a dit, lui-même qui est dans cette sélection, lui-même qui fait là, il a après travail moi tout, que lui a un match, lui a un match moi, que lui a un style moi, lui a une façon de jouer, qui fait team là. Une bonne OK. relation avec Parfait. Et puis, qui ça ne travaille semaine ça? C'est les temps difficile parce que nous pas en pile, c'est seulement 7 joueurs pendant les 3, 4 premiers jours. Sous qui ça nous plus focus en attendant le match Turken Kikos là? Ah bon, semaine qui était passée, c'est début de préparation. Hein? Nous avons préparé tant que physiquement, nous avons regardé, coach a regardé à quel point nous y est physiquement. Nous te font test. Nous te font test. Et on teste et après ça, demain. Nous courir, nous faire travail ballon technique. Mais après, nous plus tant qu'on travaille physiquement, tant qu'on regarde dans quel point nous y est physiquement. Ok. Bon, et on connaît qui ça qui prend le temps de sélection nationale là. Ce sont quand même des matchs d'éliminatoire de Coupe du Monde. Et même si c'est Turken Caicos, même si c'est Nicaragua, ça reste quand même des matchs de Coupe du Monde. Et puis, dans le deuxième tour, si nous qualifions, c'est prendre encore plus haut niveau. Est-ce que vous êtes conscient de grosseur année qu'après tant de football haïtien, et particulièrement la sélection senior? Oui, je connais parce que tout match, nous allons prendre un match à léger. Tant que Ouais.
Tout match qu'on va jouer, faut que nous jouions à fond parce que c'est football lié, on ne sait jamais. Des fois, toute bagarre, nous capons, c'est nous prenons match à léger. Toute équipe la ville, il est concentré à 100%, il bat match là. Parce qu'il était concentré. Mais nous-mêmes, nous voyons doit quitter ça arriver. Il faut que nous plus concentrer que toute l'autre équipe. Il faut que nous concentrer à 200% pour nous qualifier parce que qualifier pour une Coupe du Monde. Et c'est une étape, un gros rêve. Parce qu'il y a été longtemps, nous cadre, nous parlons la Coupe du Monde, tout ça. Est-ce qu'on peut nous parler pour un défi comme ça? Est-ce qu'on peut nous café? Bon, avec groupe nous gagnons là. Pour moi-même, il n'y a pas grand chose possible, nous qu'à faire. Depuis nous jouons collectif et nous jouons une pour l'autre, nous aider frères, nous sur terrain, donc qu'à faire toute bagarre ensemble. Est-ce que le Verton Pierre gagnait un joueur préféré haïtien? Bon. Question difficile. Bon, bah ça, m'a dit, pour moi, m'a on joue moins haïtien, moins en pile, qui toujours poussé, c'est Yacuse Callens. Ouais, qui dans la même division avec vous en France, deuxième division. Et où t'es quoi, Zavel, saison ça, nous jouer? Oui, nous t'es joué. Pour moi, pour Mkadzo, c'est un modèle pour moi, Yacuse Callens. Moi-même, c'est grand frère, toujours parler, bon conseil. Qui sont aimés là, monsieur? Non, moi-même, Mkadzo, Yacuse Callens. Ça l'a fait, elle connaît qui ça l'a fait. Ça veut dire qu'il connaît les déplacer, il va déplacer pour grand merci. Il connaît une chercher un bagaille. La prince, elle vient chercher après ça l'aller. Si on fait ça, tant qu'on a pour toujours là, bon conseil, pas la voix, pour le moto chemin. Très bien, très bien. Et puis, bon, un joueur, un footballeur préféré à l'étranger, par exemple, qui joue position là ou bien Bon, n'importe quelle autre position sur le football terrain. américain, mais à l'ancienne, c'est Andrea Pirlo. Et maintenant, Ouais. il vient coach. Après, et c'est le Ouais. but de Eh bien bon, l'Everton nous connaît l'Aptor là, en République dominicaine, côté préparation à continuer. Merci d'être côté méthode disponible pour nous. C'est toujours un plaisir pour nous parler à Gwenadio. C'est la première fois et nous faisons une interview ensemble avec vous. Mais moi, je suis vous de loin et réalisation avec équipe et donc clan. Moi, bien content que finalement nous étions en première division. C'est un accomplissement lié, me pensais, collectivement, au moins la capacité professionnelle. Et puis donc voilà, du succès pour la suite et avec la sélection et aussi pour la saison prochaine. C'est certainement pas la dernière fois que vous pour nous parler. C'est ton plaisir. D'accord, merci, bonne soirée. Ciao, merci Ciao. Leverton. Voilà, Leverton Pierre, Gonadier, qui était ensemble avec nous en interview. Nous sommes contents de parler avec lui. Lui qui t'a doué pour le faire première sélection nationale avec les seniors. Il était fait U20 déjà. Lui pour le jouer avec seniors pour la première fois. Il y a quand même quelques échéances importantes à venir. Turks and Caicos le 5 juin et ce match le 8 juin contre Nicaragua au stade Silvio Cato. Voilà. Merci à vous-même qui t'avez suivi l'interview ça. Et puis, pas oublier, abonnez à Chanel là. C'est toujours un plaisir pour nous porter pour vous dernières nouvelles. Sous sélection nationale, sous Gwenadier Nouyo.